Et bonjour à toutes et à tous, ici SPRH pour vous faire la suite de notre let's play découverte de Sly 3 sur PS2. La dernière fois on a terminé le chapitre 3 en vie de fantasy en recrutant Pénélope qui s'est avéré être le baron noir. Mais tout est bien qui finit bien, elle a rejoint le clan, donc on est parti pour le chapitre 4, une alliance glaciale. Nos objectifs devenant de plus en plus difficiles et dangereux, nous avons décidé de recruter un expert en démolition. Bentley savait qu'on aurait besoin de lui ailleurs et que ses compétences en démolition ne seraient pas suffisantes. Toutefois, le candidat retenu par Bentley fut pour moi un choc. Mon vieil ennemi, le Panda King. En tant que membre des Cinq Maléfiques, il avait sa responsabilité dans la mort de mon père et le vol des pages du Volus Ratonus. J'avais fini par le retrouver et par récupérer ce qu'il avait volé. Il n'y avait pas moyen que j'accepte ce monstre dans l'équipe. Mais Bentley était intraitable. Il avait découvert que Panda King s'était rangé et qu'il était à présent moine, vivant une vie de méditation dans les montagnes. Je n'en étais pas convaincu. Mais il était indéniable qu'il avait les compétences requises pour réussir. Alors le clan s'est préparé et a mis le cap vers l'est. Direction la Chine. Restez vigilants, les gars. Pour l'instant, le Panda King est toujours aussi dangereux. Comment tu peux dire ça? Regarde-le! Tu as déjà vu quelqu'un être plus en paix avec le monde? Je dois admettre qu'il a l'air un peu déconnecté. Monsieur King, honorable Panda King, nous demandons humblement à vous parler. On dirait qu'il ne veut pas. Allez, Bentley, on se tire. Sois réaliste, Sly! Tu vois bien qu'il est en pleine transe. Ça va pas être facile, mais je pense avoir trouvé un moyen d'emmener tout le monde là-haut. Cool! La marche jusqu'ici m'a crevé et je ne peux plus faire un pas. Est-ce que le van me manque? On n'avait pas besoin de marcher à l'époque. Bon, finissons-en avec ça. Murray, tu montes en premier. Si t'arrives en haut de ce pilier, tu devrais pouvoir te mettre en spiriboule et rebondir jusqu'au Panda King. Ouais, rebondir, ça me va bien mieux que de marcher. Sérieusement, vous voulez voir mes croûtes? Non mais, ça va pas la tête? Ouais, ok maître, rebondir, le pilier, c'est du gâteau. J'ai bien compris. Il faut savoir être ferme. Eh, sérieusement, il a vraiment des croûtes? Parce que... c'est... Donc on commence comme ça, sans la cinématique qui indique le titre de l'épisode, sans la planque, directement avec Murray. Ok, ça a changé d'habitude. Et notez que, encore une fois, j'avais bien vu juste sur la location. Le joueur GeoGuessr. Par contre, je suis un peu comme Sly, recruter le Panda King, je sais pas si c'est une extrême bonne idée. Parce que Dimitri a beau être un peu plus rangé, on a vu ce que ça faisait avec Mugshot. Mais bon.
Ah, il y a quand même des gardes qui rôdent. Ah, t'es beaucoup trop facile sinon. Ouais, et dès que j'atterris quelque part, ça les attire. Ça va être pratique ça. Ouh, j'ai raté mon coup. Ah. J'ai rattrapé, je sais pas comment. Ok, c'est bon. Ok, faut aller là-bas. La garde par ici? Non. Bon, je suis en place. Pénélope, tu es la prochaine. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Sly peut sauter sur des petits points. Ses pousses de bambou feraient un escalier idéal si elle n'était pas aussi éloignée. Attends, attends. Voyons si je peux résoudre ça par moi-même. Ça a à voir avec la glace? Bon, on a donc besoin de plus de points pour que Sly puisse monter. Le problème, comment les trouver? La réponse, fendre chaque pouce en deux et ainsi doubler les points d'appui. Mais la glace a l'air d'être trop fine pour marcher dessus. On ne peut donc pas le faire à la main. Je vais donc utiliser ma petite voiture téléguidée pour fendre ces arbres à notre place. Parfait! Pile poil! Génial! Je ferai n'importe quoi pour Sly. J'adore le voir sauter partout. J'ai bien fait de monter une tourelle sur cette petite machine. Parfait pour fendre du bois. En vrai, Pénélope, de par sa façon de parler et de son rôle, je trouve qu'elle ressemble un peu à Coco. Comme chaque outil qui tire dans ce monde, ça surchauffe. J'espère que monsieur sera satisfait. Merci, c'est super. Mais de rien, c'est un plaisir. Sly, tu ne crois pas qu'il est temps que tu rejoignes Murray là-haut? Oui, bien sûr. Ben alors Bentley, jaloux que Pénélope flirte avec Sly? Pour l'instant, tout ça c'est facile. Ça change d'habitude, comme première mission de chapitre, ça change. Mais pour l'instant, ça va, c'est cool. Dégomme les supports de ces tourniquets! Quoi? Le déséquilibrage du tourniquet est la pierre angulaire de ce plan! Saute sur mes mains et je te balancerai là-haut! Pour sauter et certes, ok. Comme d'habitude, la touche chère étant le couteau suisse des Sly. C'est bon, j'ai fini. Excellent. Maintenant que les tourniquets sont instables, je vais les allumer avec mes fléchettes. Un tir par roquette devrait suffire. Alors, est-ce que je peux faire ça d'ici ou est-ce qu'il faut que je trouve un moyen de monter avec Bentley? Oh, d'ici, ça marche. Viser, c'est chiant, par contre. Il faut choper le timing.
tourniquets vont bientôt lâcher. Gourou, t'es prêt pour un défi? Ah, voilà. Exactement. Tu devrais pouvoir persuader les gardes de t'aider à atteindre ces roquettes. Oh, rien. Allez, la partie fun du plan, celle où le gourou est impliqué. Faut que je monte sur le toit là-haut, d'accord. Donc d'où la présence des gardes. D'où je me suis viandé. Ça passe. Je sais pas si c'est comme ça que je vais monter avec le gourou, mais c'est une façon de monter. Tourniquet devrait nous faire un excellent ascenseur de remplacement. Oh là, voilà. Alors les gardes ils sont où? Oh, ils ont l'air d'avoir des pop. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Je confirme, il est en super méditation. On n'a qu'à lui crier dans l'oreille. Non, pour le sortir de sa transe, on va devoir infiltrer son esprit. Une siameto alors? Non, il va falloir canaliser. Hi, Wadada. Sly, assieds-toi à côté de Panda King. Le gourou va relier vos esprits. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je vois que tu portes la serpe du célèbre clan Cooper. Cherches-tu à te venger? À récupérer le Volus Ratonus? Waouh! Ça me rappelle la fois où je t'avais foutu le moral à zéro. Qu'est-ce que ça peut te faire si j'enterre quelques pauvres villages sous la neige? Tu es un voleur, comme moi. Oui. T'écoutes même pas ce que je dis. Petit insolent, tu vas payer cher ton manque de respect. Mais pour honorer ton ancêtre Cooper, je vais t'envoyer à ta perte avec la beauté de ma nouvelle technique pyrotechnique, Flamme Fou. Oh oh. Ok, donc c'est littéralement le boss de Sly 1 en fait. Ok. Aïe. Ouais, je me fais avoir à chaque fois, là. Eh oh, c'est pas du jeu. Secoue-toi! Tout est dans ta tête. Mon esprit est clair. Concentré sur ta destruction. Je suis dans le centre de ce cercle vicieux. Ouais, les trois me paraissent... On sait tous les deux pourquoi tu es ici.
Tu as fait un arrêt sur image sur le moment de ta plus grande défaite. Je t'ai battu et tu t'es toujours demandé comment tout s'est écroulé. Je te hais, Sly Cooper. Tu m'as détruit. Détruit le Panda King. Et je t'ai haï. Mais ça ne rend pas les choses plus réelles. Les années ont passé et on a tous les deux changé. Sors de cette transe. Recommençons tout à zéro et oublions qui nous étions au moment de cette querelle. Tu as raison. Pardonne-moi, mon esprit s'égare parfois. Le Panda King n'était pas plus emballé que moi à l'idée de rejoindre le clan. Sans le gourou, qui s'entendait étrangement bien avec le vieux Forban, tout l'arrangement serait tombé à l'eau. On pouvait lire la colère dans les yeux de Panda King alors qu'il retraçait la disparition d'un membre de sa famille. Sa fille, qui fut enlevée par un puissant général des montagnes du Nord. Elle devait être victime d'un mariage forcé avec ce despote peu scrupuleux, et Panda King fut exilé. On se mit d'accord pour l'aider à retrouver sa fille en échange de son aide sur le coup du caveau des Cooper. Je reste persuadé que c'est une mauvaise idée, mais un marché est un marché. Que notre objectif ici est de retrouver la fille de Panda King, Jing King. Elle est retenue contre son gré par le général Zhao. Ce type est un saint. Pendant que je le surveillais, je l'ai vu frapper un chiot. Deux fois. Il a prévu de forcer Jing King à l'épouser samedi prochain. Il est donc grand temps d'agir. Voilà le plan. D'abord, je vais m'approcher de Zhao déguisé en assistant pour le mariage. En espérant qu'avec quelqu'un à l'intérieur, on pourra avoir des nouvelles de Jing King. Mais on aura besoin de plus d'infos. Deux d'entre nous devront se débrouiller pour dégoter un double des clés et s'introduire dans le bureau de Zhao. Une fois dedans, j'utiliserai une nouvelle invention pour déjouer leur système de haute sécurité. Enfin, grâce au scan de Pénélope, on a capté un signal à la signature peu commune venant de l'eau. Quelqu'un devra jeter un œil à cette anomalie et trouver de quoi il s'agit. On ne doit rien laisser au hasard si on ne veut pas condamner Jing King à une vie de malheur. Allez, début officiel du chapitre. Et sachez que le dialogue avec Panda King dans sa tête, je l'ai piffé. Ça a besoin de la cam grappin pour une prochaine mission. Donc c'est la mission de Bentley, avec 400 pièces. Bon, alors on va commencer par la mission de Sly, comme ça je pourrai récupérer des pièces. Et si besoin, farmer avant le prochain épisode. Alors, faut que j'aille où, moi. Évidemment... On est à l'opposé d'où il faut aller. Il lui restait des pièces, mais je préférais le tuer avant qu'il se retourne. Il va falloir que je farme sec, moi, pour la prochaine fois. Ah, Carmelita. Ça faisait longtemps. Elle patrouille déjà. Il a l'air d'avoir beaucoup de gardes en vrai. Ce qui est assez étrange quand on y pense. Généralement, les zones ennemies grouillent de gardes. Il suffit que je dis ça pour que j'en ai un qui me pop dessus. Quoi? Ah, ok. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh.
vers moi. Et viens vers moi. Ok, on va faire le tour. J'aimerais pas trop qu'Aveta me repère tout de suite. La caméra, merci. Ah mais non, attends, le cam grappin c'est pour Sly? Attends. Ah oui non, la cam grappin c'est pour la mission de Sly, merde! Faut que je rentre du coup, je change de perso. On va partir avec Bentley du coup. Donc revenir au QG, switcher sur Bentley et je farmerai la prochaine fois par la mission de Sly. Du coup ouais, je reprends basiquement le même chemin. Je sais que je peux piller les poches avec Bentley, mais je préfère ne pas le faire. Sauf quand le jeu m'y oblige. Que je suis pas extrêmement à l'aise avec lui. Je sais pas si je peux redamner Carmelita. Je vais pas le faire. Je vais pas tenter le diable. Je tiens à ma vie. Si on veut trouver la fille de Panda King, on va avoir besoin de s'infiltrer dans le mariage. Mon costume est prêt. Avec un peu de chance, il va m'engager en tant qu'organisateur. Super. Si ça marche, essaie de nous dégoter un poste à nous aussi. On ne fera pas trop à l'intérieur. Non! Il est encore trop tôt, ma fleur. Mais, pitié! Mon père doit être si inquiet. Laissez-moi lui dire que je vais bien. Je vous en supplie, monsieur. Laissez-moi sortir de cette prison. Est-ce une façon de traiter sa femme? Vous n'avez fait preuve que de cruauté. Je suis si malheureuse. Alors, faut que je trouve le général là-dedans, moi. Notons le charisme de Bentley, de toute beauté. En fait, non, de toute façon, j'ai qu'un chemin, en fait. Faut que je trouve un truc dans cette salle. Mes respects, honorable général Tsao. J'ai eu vent de votre imminent mariage, et je viens humblement proposer à sa grandeur mes services d'organisateur de mariage. Tu m'insultes? Je n'ai pas besoin d'aide. Mille pardons, je ne voulais pas vous offenser. Un génie comme moi est bien évidemment capable d'organiser un tel événement. Cependant, je pourrais être intéressé par un photographe. Un si grand jour mérite d'être immortalisé pour le plaisir des générations futures. J'ai sous mes ordres l'un des meilleurs photographes au monde. Vraiment? Eh bien... s'il est aussi bon que tu le prétends, il pourrait peut-être couvrir l'événement. Mais avant tout, je voudrais voir quelques exemples de son travail. Bien sûr, je le fais venir sur le champ. Ne me fais pas perdre mon temps, organisateur de mariage. Je deviens très très désagréable quand les gens me font perdre du temps.
Clay, le général Sao veut voir des exemples de ton travail. J'ai placé des repères à des endroits photogéniques. Approche-toi des gardes avec ton déguisement et ils poseront pour toi. Bonne chance, mon vieux. Ouais, youpi. Allez, c'est parti. Ouh, il est magnifique. Oh, il est beau. Là, j'ai conservé le peu de vie que j'avais après le fight du Panda King dans sa tête. Je suis pas intéressé à cette connerie, du coup. Halte là! Quel est le mot de passe du mariage? Comme prévu, et voilà! Soleil, lune, soleil, soleil. Oui, monsieur, mea culpa. Écoutez-moi, tête de nœud. Le général Tsao veut des photos de ses employés. Alors faites-moi un grand sourire, hein, sinon... Belle photo, mais tu vas devoir en prendre d'autres avant de parler à Tsao. Ok. C'est le même délire que à Venise. Décor à contrat gardien, mot de passe. Donc sur le pont. Je préfère ne pas courir, y aller en marchant. Peinard. Hé ! Quel est le mot de passe de la crypte ? Un jeu d'enfant, et voilà ! Nuit, 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 nuit. Désolé, question de sécurité ! Allez, bande d'abrutis, faites-moi un sourire avec une jolie pose. Le général Tsao veut des photos gays. Pigé ? Chouette photo, Sly. Une dernière devrait suffire à impressionner le général. C'est quoi ces sujets de photos qui bougent tout le temps, là ? On vous a jamais appris ? En vrai, je pourrais tellement y aller sans le déguisement et me faire plaisir, mais on sait jamais. Par contre, en vrai, pour redescendre d'ici... Ouais. On va quand même y aller, parfois, normalement. Ok, idée de merde. Ça changera. Ok, ça a conservé les deux photos que j'ai faites. Ça m'arrange un chouïa quand même. Je n'ai pas rassé de ce garde qui rôde. Hop là, ni vu ni connu. Soleil, lune. Oh, je ne t'avais pas reconnu. Ce gars n'est pas à la hauteur. Va vers les repères. J'ai indiqué les endroits où il y a des gardes qui sont pas trop mal. Oups, je t'avais pas reconnu. Je viens littéralement débarquer dans la zone, crétin, mais c'est pas grave. Ok. Hey, le mot de passe de jeudi. Et voilà le mot de passe, là. Soleil, lune, jour, nuit. Désolé, question de sécurité. Bon, ayez l'air content, hein? Le général voudrait un joli cliché de couple. Viens, comment ils ont absolument pas la présence d'esprit qu'un simple photographe a les mots de passe. Débarrasse-toi de lui! Vas-y! Ce type doit partir! On va attendre bien sagement qu'il dégage. Ah, allez, dégage. Ok, vas-tu tourner autour, c'est pas grave. Genre, il était pas sur la photo, là.
quand même. Sly, ces photos sont vraiment superbes. Montre-les au général, je suis sûr qu'il sera impressionné. J'aime bien comment on est passé derrière Carmelita en mode tout à fait normal. Hey Sly, prends quelques photos du général quand tu y seras. Il faut toujours étudier son ennemi. Ah, le paparazzi. Je n'ai pas un moment à moi. Prenez bien mon bon profil. Ça doit être plutôt amusant d'observer les effets du pouvoir. Pourquoi suis-je toujours au centre des préoccupations? Oh, jolie photo! Regarde cette pose! Impressionnant, je sais. C'est bon, Sly. Tu devrais parler au général maintenant qu'il est chaud. Mes respects, Général Cao. Comme vous l'avez sans doute deviné, je suis le photographe de renommée mondiale qui espère humblement avoir le privilège de vous servir durant cette cérémonie. Montre-moi un échantillon de ton travail. J'ai un troisième sens pour reconnaître une œuvre d'art. Je le vois au premier coup d'œil. Mais bien sûr, Votre Excellence. Tu as un sens aigu de la composition et du perspectivisme. Ces photos sont convenables. Tu auras l'honneur de photographier mon mariage. Oh, mille fois merci, Excellence. Je suis sûr que ce mariage sera un moment inoubliable. Le général aime s'entendre parler. Bon, bah ça c'est fait. Et c'est bien fait. On va revenir tout doucement à la planque. Ça, on va arrêter l'épisode là-dessus. Encore là, Carmelita ou pas? Non. Bon, ça, je reviens à la planque pour arrêter l'épisode convenablement. Proprement, je farmerai en off pour le prochain épisode vu qu'on aura besoin de petites pièces en plus et d'un objet en plus pour la prochaine mission. Il y a presque 200 pièces déjà. En vrai, ça farme vite. Ce qui est pratique avec ce jeu, c'est qu'on farme vite. Mais je vous épargne le farm en vidéo, hein. C'est pas intéressant de me voir patrouiller juste pour trouver des gardes. Mais enfin bon. Hop. Je vérifie juste qu'il y a en plus du cam grappin dans le voleur net. Donc le cam grappin en plus c'est pour Bentley. Et ça qui m'a un peu induit en erreur, c'est que c'est une mission pour Sly, mais j'ai besoin d'un item pour Bentley. Donc c'est une mission en duo en fait. Il y a l'esquive. Ok, ça va, on a recruté du monde, on a que des compétences pour Sly, Murray et Bentley. Pas pour Pénélope ou pour le gourou. Mais bon. Toujours est-il que on va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. Après un chapitre qu'on a commencé de manière assez originale par rapport à l'habitude. On remarque que ça change et ça fait plaisir. En vrai, ça. Un peu de changement parfois dans les codes du jeu, c'est bien. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, vu qu'on est le 25 décembre alors vous voyez cet épisode. Le petit like, commentaire et partagez le plaisir. Vous connaissez la chanson, le Discord en description. Et je dis à bientôt pour la suite de Sly 3. Salut !